Sur boursicoté.com, bourse nouveau point hebdomadaire de marché, donc pour cette semaine qui débute le lundi 16 septembre 2024. Et nous allons commencer tout doucement la semaine puisqu'il n'y aura aucune statistique majeure lundi. Attention, c'est férié dans certaines zones asiatiques. Du côté de la séance de mardi, eh bien, ce sera relativement calme jusqu'en début d'après-midi où nous aurons les ventes au détail principales. Et puis, on va attaquer le dur de la semaine mercredi avec en Grande-Bretagne et du côté de la zone euro des chiffres de l'inflation qui seront donnés dans la matinée. Dans l'après-midi, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et puis dans la soirée, eh bien, ce que tout le monde attend, le FOMC et les taux de la Fed donc, qui seront diffusés à partir de 20h. On attend de savoir si cette baisse des taux sera de 25 ou de 50 points de base. Jeudi sera aussi une journée relativement chargée puisque dans la matinée nous aurons la diffusion des taux de la Banque centrale d'Angleterre. Dans l'après-midi, nous aurons du côté des États-Unis les chiffres du chômage hebdomadaire, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, ainsi que les ventes de logements existants. Et puis enfin, vendredi, eh bien, nous terminerons avec, dans la nuit de jeudi à vendredi, une diffusion de la Banque centrale du Japon concernant l'évolution de ses taux d'intérêt. Et puis en fin de journée, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc pour le compte de la Banque centrale européenne. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette semaine. Je vous souhaite de passer de bons trades. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur le site boursicoté.com.